mes collègues vont pas réussir à te faire parler. Avec moi, ça va être une autre affaire. Bon, écoutez, je vais pas vous le dire 100 fois, j'ai déjà tout dit aux autres, je voulais juste voler l'ordi. Et t'es rentré dans une maison hautement sécurisée qui appartient à un procureur. Écoutez, je pouvais pas savoir de base que c'était la maison d'un procureur. Alors du coup, pourquoi t'as commencé à hacker son ordi? On voit ça sur les caméras de surveillance. J'ai 2-3 compétences en informatique et je me suis dit, voilà, il y a un ordi, il y a des fichiers, il y a peut-être moyen de se faire de l'argent dessus. C'est tout. Et du coup, tu t'es attaqué au seul dossier qui concerne le seul gang de la ville que le procureur était en mesure de faire tomber. Et je l'ai déjà dit à tous vos autres collègues flics qui m'ont interrogé, je vais pas vous le redire à vous. Je sais pas du tout de quoi vous parlez, je sais même pas ce quoi ce gang là. Ok, tu peux la jouer comme ça, pas de problème. Écoute petit, t'as pas l'air con. Tu veux te faire de l'argent, mais il y a des moyens beaucoup plus légaux pour se faire de l'argent. Et surtout, il y a beaucoup plus d'argent à la clé. Donc soit tu me dis pour qui ou pourquoi tu fais ça, soit tu vas en prison pour les 5 prochaines années de ta vie. Ok, c'est bon. Je vais te voir écouter depuis le début. Ok. Alors on se fait une toile. D'accord. Bon, voilà, j'avais un gros problème à régler et il me fallait vraiment une grosse somme d'argent. Du coup, je me suis tourné vers un des gangs de la ville. Et donc ce gang ils m'ont promis une grosse somme d'argent si j'acceptais de faire un travail pour eux. Donc il y a un des gars du gang qui était d'ailleurs un peu bizarre, qui m'a donné des instructions. Et en gros, j'ai vu que je devais entrer dans la maison du procureur. Son ordi pour supprimer tous les fichiers qui concernaient le gang. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai fait et c'est quand j'ai hacké l'ordi que l'alarme s'est déclenchée et que les policiers sont arrivés et puis voilà, maintenant je suis là. Mais qu'est-ce que t'es allé foutre dans un gang? C'est hyper dangereux pour se faire de l'argent. Ouais, en fait, si j'avais besoin de cet argent, c'était pour acheter le traitement pour ma sœur qui est atteinte d'une dystrophie musculaire. Mais tu sais, il y a des associations qui sont là pour ta sœur.